Et bien bonjour à tous, ici Memory Kurd, alors que Chavix fait de la guitare en même temps. Moi c'est Plax et j'ai avec moi Chavix. Oui, bonjour et vous? Bien et vous? Oui. Et Pierre? Bonsoir. Très bien, au revoir. Voilà donc, on va donc, suite au vlog numéro 2, faire un vlog numéro 3, réponse aux questions des abonnés. Et voilà, et donc vous avez posé des questions. Première question, c'est parti. Vous avez quel âge? Alors bah moi j'ai 26 ans. Et moi j'ai 26 ans. Et moi j'ai 24 ans. J'ai pas honte, j'ai 24 ans. Vous vous connaissez depuis combien de temps? On se connaît depuis, alors c'est difficile, je ne me souviens pas exactement depuis combien de temps. Je pense que ça fait 10 ans quand même. Ça doit faire une dizaine d'années. Nous c'était, on s'est connus nous dans l'école de la même classe en seconde, c'est ça? Ça fait au moins 15. Seconde, on a quel âge quand on est en seconde? On a... 6, 7 ans environ. Ouais, moi j'avais sauté quelques classes aussi. Ouais. Donc, Moi j'avais fait du rameur. Ok, d'accord. Moi j'avais 7 ans et demi, c'est ça. Et donc, ouais, ça doit faire 10 ans en gros, globalement. J'étais dans la même classe que Pierre et j'ai rencontré Chavix. Est-ce qu'on raconte vite fait l'histoire? Vas-y. Très vite fait. Très vite fait. En gros, très vite fait. Donc, très vite fait. Ouais, je faisais du skate à Intermarché, lui aussi. Skate à Intermarché, alors à Intermarché lambda. Ouais. Gros spot. Et on s'est croisés, on a dit ah, tu fais du skate? Ouais, moi aussi, bah viens, on skate ensemble. D'accord. Ouais. Et puis, en fait, mes parents ont racheté la maison de ses grands-parents. C'est ça. Et on s'en est rendu compte quelques semaines plus tard. Hein. Ouais, c'est ça, environ. Voilà. Ouais. À peu près. Et après, on a fait du foot. Et on a fait ensuite du foot américain tous ensemble. Voilà, le football américain qui, vous l'avez peut-être déjà entendu dans quelques vidéos, est un peu un lien commun entre nous. Ouais. En plus des jeux vidéo. Quarterback, linebacker. Receveur. Receveur. Voilà. Et un peu de. Quand même un peu de quarterback rude. Un peu de receveur rude aussi. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on a un peu échangé. Toi, un peu de running rude. Running? Ouais. T'as fait, non, pas du tout. Un peu de waterboy par contre. T'es orange, mec. Quels sont vos métiers? Quel est donc ton métier à toi, mon cher? Je suis actuellement développeur en Java et je suis développeur généralement. Très bien. Voilà. Toi, mon petit Pierre? Et moi, je suis chef de projet digital, ce qui ne fait rien dire. Okay, ouais. Tu lances un truc après, je suis chef de projet digital. Tiens, c'est cadeau, c'est tu. Tiens, c'est allez, mange. Alors, moi, je travaille dans une petite startup, je suis community manager RH. Voilà. Et moi, je suis géomètre expert, entre parenthèses. Et ingénieur topographe, donc voilà, je fais pas mal de programmation aussi. Parce qu'en fait, j'ai un peu changé, maintenant j'ai décidé, non, ça me fait chier, maintenant, je vais programmer, et voilà, je programme. C'est vrai? Bah ouais. Tu as arrêté la géométrie? Non, j'en fais toujours un peu, mais top, un peu moins. Fini les topes. Les topes. Topologie. Pourquoi top? Ah oui, d'accord, ok, bon, très bien. Je me cache. Cette blague n'a pas existé, vous n'avez rien entendu. Où habitez-vous? Ah, dans le 9-3, cousin, hein? Moi j'habite dans le 9-3, on dit les villes et tout Non, non, dis pas les villes, après, on dit t'habites dans le 9-3, cousin. Ouais, ouais, j'habite dans le 93, 130 et tout. Moi j'habite dans le 93 aussi, t'as vu? 93 à 90. Et ouais, j'habitais aussi dans le 9-3 avant avec vous, mais maintenant j'habite sur Paname. Ouais, c'est devenu le Valop, quoi. Un bobo, je suis devenu un bobo, ouais. Un bobo parisien. Il y a l'euro million et tout, et il est parti, cousin. Donc voilà, c'était dans le 9-3 que s'est déroulée l'aventure de l'Intermarché, etc. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est d'ailleurs dans le 9-3, on a joué au foot américain les Celtes de Mitri Mori. Ouais. Ah, c'était, ouais, ça, c'est 77 pour le coup. 77. Ou Diable Rouge de Villepinte. On passe Villepinte, un petit coup voilà. D'ailleurs à Villepinte. Ah. Villepinte, si, si, Villepinte, Villepinte, Diable Rouge. Le meilleur jeu toute console confondue. Meilleur jeu toute console confondue, eh bien écoutez, c'est très simple. Pour moi, c'est... Je vois qu'ils réfléchissent, ils savent pas trop. Moi, c'est Final Fantasy 7. Cloud, Tifa, Barrett, toute la famille, big up à vous. Et voilà, donc meilleur jeu du monde pour moi de tous les temps, de l'univers, de l'infini, voilà. Et toi, Pierre? Le meilleur jeu de l'infini de l'univers. C'est dur, toi, tu l'as ou pas? Tiens, tu réfléchis là. Moi, je dirais peut-être Metal Gear 2. Ah, 2 Sons of Liberty. Non, 3, 3, 3. Attends, ah, 3 attends, lequel? Snake Eater. Le 3, c'est dans la jungle, le 2, c'est sur les plateformes pétrolières. Là, non, avec, le 2, moi, c'est sur un bateau, là, ou je sais pas quoi. Avec Raiden. Avec Raiden. Avec Raiden, ok. Le 2, c'est très mais bien. On va dire la série Metal Gear, quoi. C'est okay, okay. Marqué. Ouais. Meilleur jeu, série Metal Gear, quoi. Mm. Ok, donc comme si je répondais meilleur jeu, bon, la PS1 environ. Voilà. Entre 1888 et le mai 84. Moi, ouais, j'ai vraiment une... Oh là là, j'ai... À 3 ans, allez, un 1. J'étais à Vice City. Ah, très bon, très bon jeu. Ouais. Très bon jeu. Mais c'est vrai que, en fait, c'est dur de donner un très bon jeu. Alors, moi, j'ai vraiment FF7 qui est au-dessus du lot. Mm. Mais après, c'est, il y en a pas mal qui s'équivalent. Alors, Metal Gear 1. Il y en a plein, ouais. Il y en a plein. Enfin, voilà, c'est, Puis après, c'est des expériences qu'on a eues quand on était jeunes, qui étaient ultra flavantes.
C'est vrai. Mais bon, après, là, ce qu'on vit actuellement, il y a des trucs. On voit des c'est quand même différent maintenant. Ouais, c'est quand même vraiment différent. En tant que vieux grand-père du jeu vidéo. Ça a changé. Ça a changé. Ah, ça a bien changé. C'est surtout des jeux survie maintenant qu'on trouvait pas à l'époque, par exemple. Ouais. Il y a pas que ça. Il dit ça parce que le mec, il a fond dans Rust en ce moment. Non, mais regarde. En ce moment, le jeu vidéo, c'est de la survie, c'est tout. Il y a Last of Us, il y a Rust, il y a I Am Alive. Non, mais c'est pas ça. Le dénominateur commun, c'est zombies, mec. C'est la mode. Maintenant, les jeux vidéo, c'est des zombies, voilà. C'est comme ça. Non, mais bon, il y a quand même des très très bons jeux et plein. En fait, il y a beaucoup plus de bons jeux maintenant qui valent le coup d'être finis qu'avant. Avant c'était difficile, mais regarde, si t'en avais un par mois qui était vraiment bien, là maintenant t'en as 2-3 par mois. Ouais, puis tu pouvais pas sauvegarder à l'époque. Hein. Si, sur des petites cartes mémoire comme ça. Ouais, tu parles sur la Mega Drive et Super NES, c'est vrai. D'ailleurs, question suivante. Plutôt Sega ou Nintendo à l'époque? Moi je suis passé de l'Amiga à la PS, à la PlayStation. Ok, donc toi aussi. Il a oublié. Ah, Sega à mort. Moi. Ouais, moi j'étais Sega aussi. Ouais. Sega. C'était le. Je sais pas pourquoi en fait. Parce que je crois que j'ai pas eu le choix parce que c'est celui que mes parents m'ont acheté. Ouais, et... puis il y avait Sonic. Enfin, Sonic, Sonic c'était ouf. Sonic 1. Et puis à l'époque, Nintendo, moi j'avais la Game Boy. Et donc Nintendo, je l'approchais par là et ça me suffisait d'avoir un Mario sur Game Boy et pas avoir la NES. C'est vrai que j'ai eu la Game Boy et je jouais beaucoup à Wario. Moi je jouais à Kirby Dream Land, qui était un énorme jeu. J'avais eu le pack Game Boy Grise avec Tetris et Kirby Dream Land, et je jouais à Kirby Dream Land. Tetris, j'arrivais pas, j'étais nul. Tetris, pareil. Ouais, c'était le jeu de mon daron. Mon daron, il a jamais joué au jeu vidéo par Tetris. Quoi. Moi, c'est ma sœur qui jouait à ça. Ouais, bah tu vois, comme quoi. Plutôt PS4 ou Xbox One? Bah alors, plutôt Xbox One dans un premier temps. PS4 aussi, mais plutôt Xbox One. Ouais. Il y a plus de... De rien du tout. Bah si, c'est pas qu'une console de jeu, c'est ça le plus. C'est vrai. C'est quoi alors? Bah c'est un Media Center. Exactement. Exactement, petit Chavik. C'est moi, je dirais aussi plutôt Xbox One pour le coup, pour l'instant. Alors après, c'est sûr, je sais qu'un jour ou l'autre, il va falloir que j'investisse dans une PS4, puisqu'il y aura des exclus, notamment, tu vois, si j'avais pas eu Heavy Rain tous les jeux d'Avid Cage. Enfin, j'aurais été vraiment malheureux et c'est vraiment des jeux que j'ai kiffé faire. Et je sais qu'il y a des licences que je voudrais avoir sur PS4, mais pour l'instant... C'est l'Xbox One qui fait qui m'a fait craquer sur les consoles next-gen pour l'instant. Moi je préfère la PS4 parce que je m'en fous de changer de chaîne avec ma Xbox. Sinon, PS4 parce que pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Ça va arriver, ça va arriver. En fait je pense que la vraie différence entre les deux, alors il y a des milliers de choses qui ont été dites sur ces trucs là, mais moi je pense que la vraie différence ça va être le catalogue d'exclusivité quoi. Parce que à part ça, bon, il n'y a pas grand chose, enfin, la Xbox One est multimédia, mais si on parle juste au niveau jeu, bah ça va être à peu près la même chose, il y aura à peu près les mêmes jeux qui vont sortir et c'est vraiment les exclus qui vont... Ça dépend ce que tu préfères, les exclus Xbox ou est-ce que tu préfères les exclus PlayStation. Ouais, et c'est là où tous les gamers PC nous rayonner parce que eux ils auront les exclus quoi qu'il en soit. Ah, il y en a qui n'ont pas. Hein. Bah, tout ce qui est Sony ils n'ont pas, c'est sûr. Oui. Ah oui, c'est vrai, tout ce qui est Sony ils n'ont pas. Voilà. Putain, Bluc. Quelle substance prenez-vous, surtout Chavix? En fait, pour le connaître un peu, il est comme ça sans prendre rien du tout. Alors peut-être qu'il prend des choses sans nous le dire, mais voilà, c'est voilà. Qu'est-ce que t'as à dire de plus là-dessus, Charles? Je peux vous montrer mes bras, rien du tout. Mais je crois que c'est mon sang qui est lui-même un truc, tu vois. Je sais pas. Il y a quelque chose dedans et alors juste la petite histoire du miroir. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire du miroir? Quel miroir? Pour Rust et pour les vidéos que tu fais tout seul dans ton. Je me suis dit comme je sais pas comment je suis quand je fais la vidéo, tu vois. Et pour que ce soit plus marrant, il faut que je fasse une connerie avec ma tête comme ça. Avec ma tête, j'imite aussi avec la voix. Mais si je suis devant mon PC, qu'il n'y a pas rien du tout, je veux faire. Ça va être moins. Tu vois. Voilà, il faut que tu te vois pour qu'il y ait plus de réactions. Ouais, mais. Parce que ton kiff, toi, c'est le matin, quand tu te lèves, tu te fais rigoler tout seul devant la glace, c'est ça? Ouais, c'est ton kiff. Sérieux, je vais vraiment prendre des. Tiens, je vais regarder un miroir. Non, c'est pas ça, non, c'est que. Des fois, je me fais rire tout seul en faisant une connerie, tu vois. Et c'est dans le miroir, généralement. Donc, en tout cas, aucune substance, c'est un peu l'ambiance. C'est naturel, hein. Ça nous fait kiffer de jouer aux jeux vidéo, on se marre, donc bah voilà, c'est ce qui se retranscrit dans la vidéo. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait rigoler et que les jeux nous font kiffer. Voilà. Qui a la plus grande? Et donc, la question fatidique, eh bien, sachez que celui qui a la plus grande. Tu crois quoi? Allez, on se retrouve sur Facebook et Twitter. A plus ici la famille. Don't stop,
my friend.